qui l'on écrivait des longues lettres. L'amour allait du cœur aux veines et hors d'haleine. Les sentiments étaient trop attendus pour que l'on agisse-t-il des enfants impatients. Du temps que les factures passaient toujours trop tard, que les écritures semblaient un peu tremblantes, presque imperceptibles et pressantes, que l'on ne savait pas si l'auteur était loin, proche ou dans soi-même, de l'attente extrême. Du temps que les courriers faisaient des parcours d'aller et tout, chargés d'amour, que les enveloppes étaient en bruit, étaient pleines et des bonnes nouvelles, à exiger du temps d'être ouverte, pas avant que l'on les ait parcourus de tous les côtés, des doigts, des yeux, des va-et-vient. Va et vient.